Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau Météo à la carte. Nous sommes en direct bien sûr en ce début de semaine et pour cette nouvelle édition. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Lundi 3 avril, le temps du jour s'est bien ensoleillé sur une bonne partie de la France, notamment au nord, au sud c'est un petit peu plus nuageux et contrasté. On y reviendra dans le journal du temps. Ambiance plus fraîche aujourd'hui, vous l'avez remarqué. Et c'est la Marne qui nous accueille immédiatement pour commencer cette semaine tout en gourmandise. Et aujourd'hui, Katia nous propose une recette qui se décline selon les budgets. Un feuilleté de saumon, sauce au champagne où le saumon peut être remplacé par de la truite et le champagne par du vin blanc. Bref, une recette qui s'adapte à tous les porte-monnaies et toutes les envies. Les détails avec Océane de Maison. Allez, hop, on va passer à table. Donc feuilleté ce midi. Wow. Feuilleté au saumon sur fondu de poireaux, sauce champagne. Ça sent bon. Je pense qu'on va faire des envieux, les filles. Être autour d'une table, c'est là où on échange le plus, je trouve. C'est un moment important dans la journée. J'en rate pas. Hein. Le saumon, le poisson préféré des Français, ex aequo avec le cabillaud, est à l'honneur aujourd'hui. Il est accompagné d'une fondue de poireaux de printemps, le tout dans une pâte feuilletée dorée au four. Un plat simplissime et délicieux. C'est vrai qu'on est sur des produits saumon, champagne, qui sont peut-être un petit peu onéreux, mais qu'on peut remplacer donc le saumon par de la truite ou n'importe quel poisson autre. Et le champagne, par exemple, on peut le remplacer par du vin blanc ou un crémant, en fonction des budgets des uns et des autres. Cette recette nous est concoctée par Katia, une cuisinière à la bonne humeur communicative. Elle nous accueille dans sa maison à Sainte-Fraise et Clérisée, à 15 km de Reims. Son maître mot, la gourmandise. Je suis pas du tout gourmande. Je suis très très gourmande. Après avoir écrit des livres de recettes, elle est devenue chef à domicile et donne des cours de cuisine. On a un accès à Internet à 12 000 recettes, mais le fait de venir en atelier, en fait, nous, en tant que chef, on est là pour donner des petites astuces qu'on trouve pas ailleurs. Et des astuces, elle n'en manque pas pour sa recette du jour. Alors, on va déjà commencer par les poireaux. Donc, on va les couper. On coupe le vert, sachant que dans le poireau, tout se garde. Une fondue de poireau, en deux mots, c'est du beurre, hop, du poireau et un petit peu d'eau. Pas de crème. Le poireau va réduire un petit peu puisqu'il va fondre et il va devenir très tendre. On couvre et on laisse fondre tranquillement notre fondue de poireau. Son inspiration, notre épicurienne la puise en découvrant les restaurants de grands chefs où elle adore se rendre. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des émotions avec un plat et notamment le dernier, c'était avec le chef Mathieu Guibert sur ma côte, mon pays natal, c'est-à-dire en Loire-Atlantique. Dans ce plat-là, je retrouvais plein de petits souvenirs d'enfance, rien d'y penser. J'en ai encore les larmes aux yeux. Ouais, c'est comme quoi la cuisine transmet énormément d'émotions. Katia réserve sa fondue de poireaux pour qu'elle refroidisse, des légumes que son primeur au col bleu-blanc-rouge a sélectionné le matin même avec un soin tout particulier. Bonjour Patrice. Katia, bonjour. Ça va ? Bien et toi ? Dis-moi tout. Écoute, j'aurais besoin de quelques poireaux, j'ai pour une recette un petit feuilleté au saumon. Allons-y. Tu préfères plutôt du jeune, du petit comme ça, qui serait plus tendre ? Ouais. Le poireau de printemps est beaucoup plus tendre que le poireau d'hiver. Et vous voyez, on a quasiment moitié de vert, moitié de blanc. Comme ça qu'on reconnaît un poireau de printemps. On s'est rencontrés lors d'un concours de cuisine. Là, ça te plaît, ça. Allez, dis-le, bah, t'as gagné. Ouais, j'ai gagné, mais tu étais finaliste avec moi. C'est vrai. Voilà. Patrice fait partie des seulement 15 meilleurs ouvriers de France, primeur de l'Hexagone. Dernier maraîcher intramuros de Reims, il cultive lui-même la plupart de ses légumes. J'ai vécu plusieurs vies professionnelles. J'ai commencé, donc j'étais charcutier. J'ai toujours fait des concours, j'ai fait des concours de meilleur apprenti de France, j'ai fait des concours de cuisine. Hein. Mes grands-parents avaient une ferme, donc je suis retourné un peu vers le côté culture. Je me suis installé en tant que primeur. Au mois de juin dernier, on s'est lancé. Et toujours l'amour de l'excellence, l'amour du travail bien fait, qui m'a mené jusqu'à être meilleur ouvrier de France. Son rôle, transmettre et surtout sélectionner les meilleurs légumes. Alors nous en avons profité pour lui demander quelques conseils pour consommer à moindre coût. Dans ces temps qui sont un peu difficiles pécuniairement, on y gagne en pouvoir d'achat parce que ça coûte toujours moins cher de cuisiner que d'acheter des produits tout faits. Moi, je trouve toujours fou où on va dans des entreprises de surgelés, on ne va pas les citer, mais on peut trouver du poireau émincé, congelé, à des prix juste dingues. Ouais. Alors qu'on va chez le primeur, on achète son poireau et on l'émince tout seul. On gagne en fraîcheur, donc on gagne en vitamines et en plaisir.
En cuisine, justement, Katia abaisse sa pâte feuilletée réalisée la veille. Bah là, on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport, hein, c'est impeccable. Elle découpe ensuite le tour avec un joli emporte-pièce en forme de poisson sur sa pâte. Une opération qu'elle réalise deux fois. Donc là, je découpe un tout petit peu plus large. Parce que comme on va venir recouvrir, on a besoin d'un tout petit peu plus de pâte feuilletée parce qu'il va y avoir l'épaisseur du saumon et du poireau. Katia garnit généreusement un bon lit de poireaux, puis elle ajuste un beau filet de saumon sans peau et sans arêtes, un morceau réputé pour être fondant. Le saumon, en fait, il va cuire à l'étouffée, puisqu'en fait, on va remettre la pâte feuilletée par-dessus et puis on va enfourner. Et le, voilà, la cuisson, la vapeur, la chaleur, il va cuire tranquillement. Quand la pâte feuilletée sera cuite, le saumon il sera prêt. Et pour qu'il soit bien fermé, là, on va faire comme pour la galette des rois. En fait, on va chiqueter tout le tour du poisson. C'est-à-dire qu'avec le dos d'un couteau et le doigt, on va venir pincer les deux pattes et on va faire une petite incision. Et pour une pâte dorée à souhait, Katia ajoute une pointe de crème avec son jaune d'œuf qu'elle étale. Et pas bon, mon poisson ? Donc là, c'est parti en cuisson, 180 degrés, pendant une petite demi-heure. Place à la sauce, notre cuisinière émince une échalote. Elle la fait revenir dans du beurre avec un verre de champagne, de la bonne crème et laisse réduire à feu doux. Bon allez les filles, on passe à table ? Une recette savoureuse et de saison, idéale pour épater vos convives. Vraiment extra, ça fond en bouche, c'est délicat, c'est frais, c'est parfait. Et on vous le garantit, vous en redemanderez. Les choses les plus simples sont les meilleures. Elles sont quand même top, mes copines. Ah ouais. Allez, à la nôtre. À merci, Katia. Bon appétit. Chin chin les filles, qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci Katia pour la recette et puis pour toutes les astuces au passage. D'ailleurs, pour retrouver chez vous les trucs de notre chef du jour, les détails de la recette vous attendent sur notre site internet. Et on enchaîne dans le Finistère où nous avons trouvé la meilleure saucisse d'Europe. Il y a un peu plus d'un an, Stéphane a gagné le titre de champion d'Europe de saucisse créative. Sa recette miracle, du porc et des coques. Une association terre-mer qui a déjà ravi les gourmands pour leur premier barbecue printanier. Les beaux jours reviennent et avec eux la saison des barbecues. Dans les charcuteries, les étals se remplissent et les saucisses sont à la fête. Stéphane, charcutier traiteur à Lesnevin dans le Finistère, en a fait sa spécialité. Il est même devenu champion d'Europe de la saucisse créative face à 50 concurrents de toutes les nationalités dont les Allemands, gros spécialistes. C'est vrai que c'est souvent les Allemands qui gagnent le concours de la saucisse créative. Donc là, on a gagné contre les Allemands, donc c'est plutôt pas mal. C'est à Alençon, dans l'Orne, que se tient chaque année ce concours. Pour remporter la coupe, Stéphane a imaginé une saucisse spéciale, viande de porc et coquillage. Il fallait trouver une idée originale. Étant breton, on s'est dit l'association terre et mer, ça peut matcher. On a mis du temps hein, à trouver l'équilibre entre les deux. Les coques, on va pas les poêler trop, dans le sens où ça va arriver dans la saucisse après et ça va recuire. Donc on n'est pas sûr qu'il reproduit. Il flambe ensuite ses coques au whisky. Depuis qu'il a remporté ce concours, les clients se bousculent au magasin. Certains font parfois une heure de route pour venir goûter cette fameuse saucisse. En général, on vend 5 kilos, 6 kilos de saucisses spéciales par semaine. Là, on est sur celle-là, on doit être à 35 kilos aujourd'hui, semaine. Donc l'été, ça va être encore plus. Je viens de signer justement avec un traiteur parisien. Donc on va avoir de la saucisse qui va arriver chez lui tous les semaines. Il commence par 12 kilos. Alors, on va investir dans une nouvelle machine parce que forcément, ça va peut-être devenir un peu compliqué. Peut-être embaucher, il va peut-être falloir prendre quelqu'un d'autre en plus. En plus des coques, Stéphane rajoute de l'ail, de l'échalote, du curry breton. C'est du curry avec des algues. Et du persil. Là, on va pouvoir passer après au hachage des viandes. Pour la viande, Stéphane ne jure évidemment que par la Bretagne. Il faut dire que la région est la spécialiste de l'élevage porcin en France. 58% des cochons français sont bretons. Loin des élevages intensifs... Stéphane, ça va ? La forme, très bien, toi ? Stéphane se fournit chez deux jeunes frères, Julien et Yann, à quelques kilomètres de la charcuterie. Il est où mon porc ? Il est où ton cochon ? Tu vas pouvoir le choisir, écoute... Ici, les porcs de race Duroc ont de la place. Ils sont élevés sur paille, à l'air libre, et c'est bien le climat et ses caprices qui vont donner du caractère à la viande.
La nature est bien faite et on se rend compte, là on sort de l'hiver, il y a eu quelques matins où on était à 2-3 degrés. Ce qui fait en sorte c'est d'avoir un petit peu plus de poils sur le dos. Peut-être probablement un petit peu plus de gras et un petit peu plus de gras persillé. Puis c'est ce que ça nous correspond, c'est ce qu'on cherche. Pour nourrir ses cochons, Julien utilise les céréales produites sur sa ferme. Son élevage est vertueux. Il se bat pour que son activité ait le moins d'impact possible sur l'environnement, tout en développant l'économie locale. Faire fonctionner un abattoir qui dépend de la communauté des communes de l'Estevin où on réside tous les deux, donc ça crée des emplois. Ces gens-là, derrière, c'est les mêmes personnes qui vont aller acheter le cochon auprès de Stéphane. Et en fait, c'est une économie circulaire qu'on fait fonctionner. On fait que s'échanger nos euros entre nous. C'est ça. Et à favoriser l'emploi. Retour à la charcuterie pour terminer la préparation de ces fameuses saucisses championnes d'Europe. Bon, j'y suis. On a 15 kilos à faire pour la gare, le restaurant de la gare. Il faut d'abord hacher la viande, puis la mélanger avec les coques préparées tout à l'heure. C'est bon, ça s'en refroidit. Impeccable. Avant que ne vienne l'embossage, c'est-à-dire faire entrer la préparation dans des boyaux naturels pour ensuite former les saucisses à la main. Parce que sur le concours, en fait, il faut savoir qu'on est noté sur l'aspect cru, donc l'aspect vente magasin, parce qu'en fait, forcément, on les vend pas cuites, hein, on les vend crues. Donc il y a une note là-dessus. Et après, forcément, le maximum de points, c'est sur le goût, mais c'est vrai que l'aspect visuel est super important. À 500 mètres de la charcuterie, Stéphane livre en personne son plus fidèle client. Salut Stéphane. Ça va? Ouais, et toi? Ça va très bien. Bon, écoute, les saucisses championnes d'Europe. Ça y est, les saucisses championnes d'Europe sont là. Parfait. Pour cuire ces saucisses, Arnaud ne lésine pas sur la matière grasse. Cuit au beurre, bien sûr. Oui. Sans beurre aussi. Ah bah oui, tu sais que sans beurre, on n'est pas bon du tout. En Bretagne, si on n'a pas de beurre, on n'est pas bon. Un petit peu de beurre. Un petit peu. Petite astuce pour ta saucisse. Bah, tu dois le savoir aussi, mais d'ailleurs, c'est ton charcutier qui me l'avait donné. Pas trop la chauffer, parce que comme c'est du boyau naturel, tout à fait. Faut vachement respecter ça. Et, voilà. Comme je dis aux clients, faire fondre le beurre à feu vif. Et une fois qu'il est fondu, la cuire doucement, pendant 10-15 minutes, tu vois. Et ça sent, hein. Sans odeur, tout de suite. C'est vrai, hein. Ça colore tout de suite. Prenez bien soin de retourner la saucisse régulièrement pour colorer toutes les faces. À l'intérieur, il est bien juteux. C'est là qu'on voit un bon produit aussi. C'est que quand tu commences à couper et que tu vois que ça, tu vois, il y a le jus qui est dedans. Là, on voit bien le gras. Il y a rien qui a coulé. La coque, tu vois, la présence est encore là. Le petit persil et tout ça qui va bien. Chaque semaine, Arnaud sert une cinquantaine de saucisses championnes d'Europe à ses clients. Et voilà, messieurs, dames. Alors, saucisse aux coques championne d'Europe, écrasée de pommes de terre et jus de coquillage à l'huile d'olive. La saucisse est très bonne. Bon. Oui, je confirme d'ailleurs que c'est un très très bon établissement pour le connaître personnellement. D'accord. Tiens, je vais vous poser une autre question puisque vous savez tout. Comment vous allez décorer votre table pour Pâques? Ça, c'est pas encore dans les tuyaux. Je n'y ai pas pensé. Écoutez, on a de quoi vous aider. Oui, effectivement. Difficile de résister aux œufs décorés ou aux terrines cocottes. De la faïencerie d'art de Malicorne dans la Sarthe. Depuis plus de 2 siècles, toutes les créations de l'atelier sont réalisées avec l'argile locale, dont la réputation n'est plus à faire. Marjorie Lequet est tombée sous le charme. À Malicorne sur Sarthe, depuis bientôt 3 siècles, Pâques se prépare en beauté. C'est vraiment un travail de longue haleine, mais c'est un travail de passion. Entre l'œuf et la poule, ici, on n'a pas su trancher. Alors, on sublime les deux. Nous sommes dans la plus ancienne faïencerie de Malicorne. Riche d'un savoir-faire séculaire, sauvée de la faillite grâce à la détermination de Sophie et de son époux Eric, qui ont racheté il y a 15 ans cette entreprise. On était clients de cette boutique et on adorait les produits. Et on s'est dit, c'est un patrimoine incroyable, on ne peut pas le laisser partir de 150 ans d'histoire. Donc c'est quand même magique. Et comme depuis la création de l'entreprise en 1747, tout commence par le façonnage de la terre. Le plus dur, c'est vraiment d'arriver à assembler correctement les deux côtés. Vous allez voir, il y a de la terre un petit peu plus liquide là, qui nous sert en fait de liant, de colle, et qui permet de coller les deux parties. Et il faut le faire au bon moment. Il ne faut pas que la terre soit trop molle, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, sinon c'est un peu comme une soudure à froid en fait.
Le temps a une importance dingue. Donc en plein hiver, on va avoir tendance à faire des pièces qui sont plus fines. Tout ce qui est cache-pot et pièces plus grosses, on va les faire plutôt en été. Mais en même temps, il faut faire attention parce que si ça sèche trop vite, eh ben, ça craquelle. Saison après saison, on modèle, on assemble, on ajoure la terre comme de la dentelle, suivant un savoir-faire rare et précieux, mais aussi grâce à une collection de moules unique en son genre. Donc là, je vous emmène dans, pour moi, le trésor de la maison. Donc, suivez-moi. Pour moi, c'est toute l'histoire de la maison qui est là. Vous avez la poussière de 200 ans, on soulève des choses, on retrouve des vieux poncifs. Pour moi, c'est un trésor. Ça nous montre qu'on a encore plein de choses à découvrir. Plus je peux passer de temps là, plus je suis heureuse. Des centaines de créations témoignent de l'art de vivre à la française et de l'histoire de la faïence de Malicorne. Il faut se rappeler qu'au XVIIIe siècle, les faïenceries éclosent partout en France. Dès que vous avez une rivière, du bois et de la terre, eh bien vous avez une faïencerie parce qu'il y avait la volonté d'équiper les ménages. Vous étiez dans un contexte où on se nourrissait dans des récipients de bois ou en métaux. Et du coup, vous aviez une sorte de problème de santé publique qu'il fallait donc résoudre. Et c'est comme ça qu'on a permis à tous les entrepreneurs de s'installer. Et les faïenceries, en fait, se sont déployées vraiment partout. Les plus robustes ont perduré. Et c'est comme ça que Malicorne, depuis plus de 2 siècles maintenant, près de 3 siècles, fabrique de la faïence. Et pour chaque pièce, le rituel est le même. Une fois démoulée, elle est cuite dans un four à plus de 1000 degrés avant d'être émaillée. C'est un peu comme de la pâte à crêpes. La poudre étant du verre redescend, donc on est obligé de la mélanger très très bien pour qu'il n'y ait absolument aucun résidu et que tout soit en suspension. Donc voilà, je laisse aux experts. Regardez bien, c'est assez impressionnant. Quand on va l'émailler, on va la mettre dans le bac et dans les 3 secondes qui suivent, elle va être sèche. C'est en fait une éponge, c'est-à-dire qu'il ne va rester sur la pièce que la poudre. C'est ce qui va vitrifier une fois qu'elle sera passée au four, la pièce. Place au décor, et les œufs de Pâques n'échappent évidemment pas à cette règle. C'est une tradition en effet qui existait depuis longtemps. C'était des cadeaux qu'il fallait apporter pour Pâques, justement. Et nous avons développé toute une collection avec des décors anciens et plus contemporains où on vient habiller ces œufs, justement, de ces magnifiques décors faits à la main qui leur donnent une présence assez, assez exceptionnelle. Et finalement, on est une des dernières maisons à travailler encore sur émail cru. Votre pinceau ne glisse pas de la même manière. C'est pas du tout comme quand vous travaillez sur de la porcelaine où vous avez glissé, vous pouvez recommencer. Là vous ne pouvez rien recommencer. L'avantage de travailler sur cette poudre, justement, c'est que vous avez une fusion complète des émaux à la dernière cuisson. Donc, en fait, vous n'avez jamais le décor qui disparaît. Aujourd'hui, les faïences de Malicorne font rayonner le savoir-faire français aux 4 coins du globe, en perpétuant avec splendeur un héritage de tradition. Aujourd'hui, nous sommes une petite entreprise au fin fond de la Sarthe, pas très loin du Mans. Mais toutes les semaines, nous avons des palettes qui partent aux États-Unis, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, en Italie. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas très longtemps, nous étions à Doha sur un mariage princier. Et tout ça, c'est des niches, mais c'est des niches qui font la valeur du Malicorne et qui font finalement resplendir notre savoir-faire à l'international. Et c'est une satisfaction pour nous, mais aussi pour nos artisans à l'atelier. Et on enchaîne dans le Cantal, où d'anciens tunnels ferroviaires servent de cave d'affinage. Oui, ces tunnels désaffectés sont parfaits pour produire un Cantal d'exception. En effet, la température y est constante, ainsi que le taux d'humidité. Quand l'histoire rencontre la gastronomie, le résultat ne peut être que bluffant, comme l'a constaté Marjorie Lequet. Dans le Cantal, au sein d'anciens tunnels ferroviaires, le doux ronronnement des trains vapeur a laissé place à une toute autre ambiance. C'est effectivement un patrimoine français qui a été reconverti au service du goût. Pour nous, c'est continuer de lui apporter de la vie et de le pérenniser à travers le temps.
Ici, au fil des saisons, 3000 tomes de Cantal AOP sont affinés pour révéler croque-moi ça. Tous leurs arômes. C'est un fromage exceptionnel, on le reconnaîtrait entre 1000. C'est l'aboutissement de long travail. Soyez les bienvenus à Mentières, nous sommes près de Saint-Flour, où les arcs-en-ciel sont presque aussi magiques que cet endroit que Frédéric, directeur de l'établissement, et Patrick, responsable de la production, nous font découvrir aujourd'hui. Alors, ces tunnels, ce sont des anciens tunnels de voies de chemin de fer qui ont été en exploitation jusque dans les années 50 sur une ancienne ligne qui reliait Saint-Flour à Brioude, hein, sous-préfecture du Cantal et sous-préfecture de la Haute-Loire. Et cette ligne, donc, qui est plutôt sur un massif très vallonné, a nécessité de la construction de tunnels pour faire passer les trains. Dans les années 60, des fromagers de la région ont eu l'idée géniale d'affiner leurs précieux tomes de Cantal dans ces lieux chargés d'histoire. Et ça s'est avéré plutôt bénéfique pour les produits parce que les conditions d'affinage, en fait, sont optimales. C'est la température, c'est la teneur en humidité de l'air et c'est également la vitesse de déplacement d'air. Et tout ça, ça permet d'avoir des produits qui vont s'exprimer un maximum avec un développement de la croûte à la surface du fromage qui va être le plus optimal possible. Dans ce tunnel de 600 mètres de long, les douces températures du printemps n'ont pas de prise puisqu'il fait 11 degrés toute l'année avec 98% d'humidité. Mais avant d'arriver ici, les tomes ont été confectionnés à Talisa par Patrick et son équipe. Ce lait provient de nos coopérateurs dans un rayon d'environ 25 km à peu près autour de la fromagerie. Chaque jour, 5 cuves de 10 000 litres sont transformées en tomes de Cantal, le roi de la région. Et une fois le lait chauffé entre 30 et 34 degrés, la présure y est intégrée. Donc maintenant, nous allons procéder au décaillage, c'est-à-dire qu'on va former le grain de caillé. On essaie d'avoir aussi un grain régulier pour avoir un bon égouttage, un égouttage homogène. Après avoir séparé le caillé du sérum, les fromagers forment un gâteau de caillé qu'ils découpent avant de le presser plusieurs fois. C'est une étape très importante puisque c'est l'égouttage de notre tome qui va conditionner la suite de notre fromage. Si Patrick ne laisse rien au hasard, c'est qu'il est toujours à 54 ans, passionné par son métier et fier de son fromage. C'est un fromage historique qui retrace la vie de notre région. C'est un sacré tissu économique dans la région. On a récupéré notre tome broyé salé, qu'on a mis dans les moules, qu'on a tassé et ensuite on a déposé la plaque AOP. Après 48 heures sous presse, cela, il va falloir y frotter. Ces fromages vont rejoindre dans les tunnels les autres bijoux de la fromagerie. C'est effectivement notre coffre-fort. Là-bas, les tomes de 40 kilos sont bichonnés. Alors l'affinage au tunnel, ça demande du boulot. Hein. Donc là, les fromages ils vont être frottés jusqu'à 4 mois, deux fois par semaine. C'est pour un développement optimal de la croûte. L'aspect du fromage, en fait, ce sont des boutons dorés sur un fond blanc. Le blanc, c'est une moisissure qui se développe à la surface et on vient réguler sa pousse en faisant des frottages réguliers. Au bout de 4 mois d'affinage et de soins, ces tomes seront transférés dans une autre cave, plus classique. Allez, on va sonder celui-là, là, tiens. Mais pas sans être contrôlé. On regarde la couleur de la pâte. Hein, elle a une texture plutôt souple. On devine le grain qui a servi au départ à fabriquer le fromage. On a bien le côté maillé, oui. Ouais. Et puis on la goûte, parce qu'il faut savoir se faire plaisir aussi. Bâti pour les trains, ces tunnels, témoins de l'histoire, vivent leur seconde vie et contribuent au rayonnement du savoir-faire fromager du Cantal. Et ça, c'est aussi une vraie fierté de pouvoir porter les couleurs de cette région, de ce terroir, de ce département, à travers ce fromage. Et changement de sujet, comme chaque année, au début du printemps, les frelons asiatiques sont malheureusement de retour. Et dans le Doubs, le nombre de nids ne cesse d'augmenter. Il y en a deux fois plus que l'année dernière, ce qui inquiète forcément les agriculteurs. Reportage apiculteur aussi. Reportage de France 3 Régions. Thank you.
Dans le Doubs, comme partout ailleurs, le printemps rime avec le réveil de la nature. Malheureusement, certains prédateurs font aussi leur retour avec les beaux jours. C'est le cas des frelons asiatiques, sortant de leur cachette hivernale pour se reproduire. On est à la période où la fondatrice va commencer à faire son nid primaire. Et c'est le moment idéal pour les piéger, puisque si on détruit des fondatrices à cette époque, ça sera plusieurs dizaines ou centaines de fondatrices derrière qui ne seront pas là pour refaire aussi des nids. C'est du préventif qui va durer un mois et demi, mais pas plus. Car l'inconvénient de ces installations, c'est qu'elles ne tuent pas que les frelons asiatiques. Pour ne pas nuire aux autres insectes, le syndicat apicole du Doubs recommande la pose de pièges sélectifs à proximité des ruches avec une grille et un produit attirant le frelon. C'est un piège artisanal qui est fait avec une grille, qui la voici, qui est plus sélective, où le frelon asiatique peut rentrer dedans, mais ne peut pas ressortir. Et l'intérêt qu'il reste vivant, c'est surtout qu'il va émettre des phéromones qui peuvent attirer les autres reines de son espèce, qui vont venir aussi dans le piège. En quelques années, le frelon asiatique est devenu un sujet de préoccupation majeure chez les apiculteurs. L'espèce invasive gagne du terrain. Elle est capable d'anéantir des ruches entières, mais n'est concernée par aucune obligation de destruction. L'intervention pour détruire les nids peut coûter entre 150 et 500 euros. Ben, il faudrait déjà qu'il soit reconnu comme un fléau, et après qu'il soit pris en charge par les pouvoirs politiques, par les élus, tout ça, ou les communes, mais qu'il y a des aides justement à la destruction du nid. Une menace qui s'ajoute à la longue liste pesant sur les producteurs de miel. Varroa, pesticides, réchauffement climatique, sécheresse, manque de pollen. 40% des ruches du Doubs n'ont pas passé l'hiver. Un triste record. Et on traverse la France, direction maintenant les Alpes-Maritimes, où il n'a plus que deux jours depuis le début de l'année à Breil-sur-Roya. Un triste record qui commence à poser des problèmes sérieux, entre autres aux professionnels du tourisme, comme nous l'expliquent nos équipes de France 3 Régions. Un soleil radieux, un ciel bleu sans nuages et une végétation qui se dessèche. Depuis le début de l'année, les gouttes de pluie se font rares à Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes. D'après les relevés de la station météo locale, il n'a plus que deux jours depuis le début de l'année, un record en France. Ce qu'on appelle un jour de pluie, c'est simplement un jour où il y a eu au moins 1 mm de précipitation mesurée. On est pour l'instant à 39,5 mm exactement, donc depuis le 1er janvier. Normalement, à cette période de l'année, à cette station, on mesure environ 200 mm. Donc là, vous voyez qu'on est autour de 80% de déficit. Il faut remonter à l'an 2000 pour avoir une pluviométrie encore plus basse. Ajouter un faible enneigement des sommets, et voilà un fleuve, la Roya, qui a perdu de son importance. Cette plage, elle devrait être entièrement recouverte par la rivière. Là, on voit bien que le niveau d'eau, il est 50 cm en deçà de ce qui devrait être à cette époque-ci de l'année. Avant la tempête Alex en octobre 2020, la Roya était plébiscitée par les amateurs de sport d'eau vive pour ses rapides et ses canyons. Cette activité fait vivre une quinzaine de professionnels dans le secteur. Pour le moment, on peut encore naviguer, pas de problème, on va pouvoir démarrer la saison, mais il y avait plus d'eau, il y aurait plus de vagues, plus de rapides, les gens s'amuseraient plus. Quand il y a moins d'eau, à un moment donné, on ne peut plus naviguer. Et si la qualité de prestation n'est plus là, on va être obligé d'arrêter nos activités temporairement pour la saison. Alors on n'y est pas encore pour le moment, mais on le redoute. Autre inquiétude liée à la sécheresse, le niveau de la nappe phréatique plus bas que d'ordinaire. Dans cette station de captage qui alimente le pays mentonnais, un nouveau forage a été réalisé pour puiser à 60 mètres de profondeur contre une vingtaine de mètres jusqu'à maintenant. Et Météo à la carte vous fait découvrir maintenant une véritable ville dans la ville. Un des quartiers les plus typiques de Paris, et mon préféré au passage. Bienvenue à Montmartre. Du Sacré-Cœur au célèbre peintre de la place du Tertre, des restaurants mythiques aux volets d'escalier, Météo à la carte vous présente Montmartre, comme si vous y étiez. Et en ce début de printemps, une balade dans ce quartier est une véritable invitation à la flânerie. Sa basilique, ses artistes, ses fêtes. Bienvenue à Montmartre. C'est un village, donc les commerçants se connaissent, les restaurateurs se connaissent, tout le monde se connaît. Cette petite ville, ce village au cœur de la ville est quand même assez unique.
véritable carte postale vivante, quartier mythique de la capitale, décor de légende, Montmartre attire plus que jamais amoureux et touristes du monde entier. Aucun autre quartier a su garder vraiment cette atmosphère et ce caractère historique. Ça a un charme fou. Aujourd'hui, Météo à la carte vous ouvre les portes des lieux les plus emblématiques de la butte. Je vais vous emmener maintenant dans un endroit ultra confidentiel. Personne n'y va. Partons à la rencontre des femmes et des hommes qui font vibrer au quotidien le cœur de ce quartier de légende. Bienvenue à Montmartre. Ici, vous êtes à Montmartre. Vous êtes au cœur de ce quartier traditionnel de Paris, si emblématique, avec cette basilique splendide qui est là. Voici le père Stéphane Esclef. C'est le recteur du Sacré-Cœur, dont l'édification, débutée après la défaite de 1870 et l'épisode sanglant de la Commune, a duré 50 ans. Il n'y avait rien à l'époque, hein. C'était vraiment désert. Il y avait des baraquements, c'était mal famé, c'était un lieu comme ça. Quand on a commencé à vouloir construire sur cet emplacement, sur cette butte, la colline du Mont des Martyrs, hein, ou sur ce lieu, eh bien, il a fallu asseoir ces tonnes de pierres. Mais malheureusement, le sol était friable. Il fallait atteindre la couche de schiste. Il a fallu faire 83 pylônes de 40 mètres pour la supporter. Alors, je ne dis pas que la basilique est surpilotée, mais presque. Chaque année, ce sont 11 millions de visiteurs et de fidèles qui se pressent pour admirer cet édifice de style romano-byzantin, faisant de lui le sanctuaire le plus fréquenté de France, juste après Notre-Dame de Paris. Mais certaines parties de la basilique, elles, ne sont réservées qu'à une poignée de chanceux. Voilà, nous y sommes. C'est là où je voulais vous emmener, sur les toits de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Un endroit exceptionnel. Personne ne vient ici. Évidemment, moi qui ai les clés, je peux vous y amener. Et là, on est sur ce point le plus haut de Paris. La basilique et le campanile dominent Paris. Et croyez-moi que quand le vent souffle ici, eh bien vraiment, ça souffle. Il y a comme un frisson. Et vraiment, chaque fois, j'ai la même émotion. Le campanile de la basilique, interdit aux visiteurs, abrite la Savoyarde. La cloche, la plus grosse de France, un trésor de 19 tonnes. Cette cloche a été amenée au moment de la construction de la basilique, tirée par un chariot avec 12 paires de bœufs. Cette cloche a un son particulier. Elle a ce qu'on appelle un oum, c'est-à-dire le son est très grave, très très grave, très lourd. Et le son s'entend à 3,7 km à la ronde, dans Paris, par beau temps. Au son des cloches se mêle celui de la foule et de la fête qui berce le quartier jour et nuit et par tous les temps. Ne t'inquiète pas mon ami, on aura la météo aussi. T'as juste à mettre la 3, tu seras bien garni. Voici Luc avec son papa Patrick. Ils sont la deuxième et troisième génération de la famille Frachebout, à la tête d'une institution montmartroise ouverte dès la fin du 19e siècle. Montmartre a toujours été une fête. Encore plus il y a quelques années, dans les années de l'après-guerre, les années 60 aussi, c'était toujours la fête. Matin, midi, soir, la nuit, ça s'arrêtait jamais. Ils connaissaient une grosse affluence des Parisiens, des Montmartrois, pour plein de raisons. Avant le baron Haussmann, Montmartre n'était pas Paris. Et il y a une petite anecdote assez rigolote, c'est que les taxes sur l'alcool n'étaient pas les mêmes à Montmartre qu'à Paris. Du coup, les gens sans le sou venaient boire et rester à Montmartre du fait des prix pratiqués par les restaurants et les bars. Située à l'angle de la rue des Saules et de la rue Saint-Rustique, plus haute rue de Paris, cette institution a vu naître entre ses murs des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Il y a tout le mouvement des impressionnistes qui venaient se retrouver là, qui venaient jouer au billard ici, qui venaient surtout boire. Et même Van Gogh venait très fréquemment là, était vraiment un habitué d'ici, absolument. Van Gogh a peint plusieurs tableaux ici, enfin le plus connu, La Guinguette. Il peignait notamment aussi des grandes pièces qui rentraient pas dans son petit atelier ou ailleurs. Aujourd'hui, c'est aussi le siège social de la République de Montmartre, association philanthropique créée en 1921 par des artistes du quartier comme Francisque Poulbeau et Joël Bridge, et présidée aujourd'hui par Alain. À la tienne. Et vive Thomas. Là, nous étions dans un quartier
pauvres à l'époque. Il y avait le maquis, il y avait un certain nombre d'enfants qui avaient des difficultés, qui n'avaient pas de protection sociale. La République de Montmartre a eu pour vocation de créer dès 1921-1922 un dispensaire pour donner des soins gratuits aux enfants de Montmartre. Tout cela avec l'aide d'artistes de Montmartre qui donnaient des spectacles justement pour trouver de l'argent et pour venir en aide aux enfants. Si ce quartier est l'un des repères préférés des artistes dès la fin du 19e siècle, ce n'est pas un hasard. En témoigne le musée de Montmartre, dont Saskia est responsable de conservation. Il y avait ce paysage assez champêtre qui a plu beaucoup aux artistes. Il y avait la lumière, il y avait le loyer qui était beaucoup plus bas que dans d'autres quartiers à Paris. Levé au 12 de la rue Cortot, dans la plus vieille maison de Montmartre, ce musée fut le repère de nombreux artistes, tels qu'Auguste Renoir, Suzanne Valadon ou Maurice Utriot. Montmartre est aussi une source d'inspiration pour les artistes, notamment tous les sujets un peu tabous comme la prostitution, les marginaux dans la rue. Aujourd'hui encore, Montmartre a une place à part dans le cœur de ses habitants. J'aime tout dans ce quartier. Enfin, c'est un quartier magique. Oui, ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est une chance, c'est une vraie chance de pouvoir habiter à Montmartre, vraiment. Karine a créé un blog consacré à ce quartier qu'elle arpente depuis plus de 20 ans. Et pour elle, chaque rue raconte une nouvelle histoire. On est rue d'Orchamps, une rue qui a la particularité d'être en coude et qui est très fréquentée puisque c'est la rue dans laquelle on trouve la maison de Dalida. C'est une rue particulière parce que c'est la rue dans laquelle il y a les plus petits trottoirs de Paris. Et elle est connue parce que c'est dans le film L'Auberge espagnole que Romain Duris et Audrey Tautou s'embrassent. Chaque lundi, son site annonce la météo de la butte. Et c'est de loin le poste qui recueille le plus de vues. Il y a une particularité, c'est que l'hiver, il fait toujours un tout petit peu plus froid que dans le reste de Paris. En tout cas, on est les premiers à avoir la neige à Paris. Et là, ça devient station de sport d'hiver et c'est génial. Quartier aux mille visages, Montmartre, éternel et unique, garde caché en son cœur encore bien des secrets. Mais vraiment, vraiment, il faut se perdre dans les rues. Il faut sortir des sentiers battus. Et là, on va découvrir ce qui est vraiment la magie de ce quartier. Et rencontre à présent avec Didier, l'un des trois derniers formiers de France. Oui, son métier consiste donc à réaliser des formes à chapeau. Et il le fait avec un bois résistant particulièrement à la chaleur et à l'humidité. Moderne ou d'antan, il existe autant de moules que de couvre-chefs. Mets-toi la carte à mener l'enquête sur les chapeaux de roue, forcément. Avez-vous déjà entendu parler de l'aptonymie ? Un terme un peu étrange qui désigne le fait de porter un nom de famille en lien avec son métier. Par exemple, Thierry Leluron était humoriste, Benjamin Millepied, danseur, Henri Poincaré, mathématicien ou encore les frères Lumière, cinéastes. Voici Didier Laforêt et devinez quoi, lui, il travaille le bois. Alors moi, je suis formier. Alors le formier, la personne, l'artisan qui sculpte des formes en bois servant de moule pour la fabrication des chapeaux. Sans le travail du formier, ben les chapeaux, pour la plupart, n'existeraient pas. C'est littéralement le négatif du chapeau. Des formiers comme Didier, il n'y en a plus que trois en France, à peine une dizaine en Europe. Un métier de plus en plus rare, reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. La forme, c'est la matrice du chapeau. Le feutre ou la paille va venir épouser ses moindres reliefs. Chaque forme est unique, il existe autant de formes que de chapeaux différents. Ça, c'est la forme qui sert à fabriquer ce chapeau. Ça, c'est une forme ancienne qui date d'environ 1920 approximativement. Et tous les trous qu'on voit là, ça correspond aux trous des épingles que les modistes utilisent avec un petit marteau pour fixer le feutre et le maintenir en place le temps que celui-ci sèche et durcisse. Ça, par exemple, c'est les petits bibis qui étaient portés par les hôtesses de l'air. Ça, c'est un chapeau qui servait pour les bonnes parisiennes. Et si on regarde la bande dessinée Bécassine, c'est exactement cette forme-là.
Stéphanois d'origine, Didier a installé son atelier dans le Tarn-et-Garonne. Un choix qui ne doit rien au hasard. Caussade et les chapeaux, c'est une longue histoire. Tout a commencé avec une bergère lors d'un été particulièrement ensoleillé. Une bergère qui était fin 18e siècle dans son champ à garder les moutons, puis qui a tressé de la paille, qui a cousu, qui s'est fait un truc qui pour se protéger du soleil en réalité. Et elle a créé ce qu'on appelait en patois la paillole. La paillole, c'était le chapeau de paille. Rapidement, les paysans de la région voient dans la fabrication de ces chapeaux de paille un moyen d'augmenter leurs revenus. En quelques années, des dizaines de chapelleries vont voir le jour. À Caussade, il y a eu une soixantaine de fabriques de chapeaux, il y avait 3000 personnes. C'était quand même une région assez agricole, donc les gens travaillaient l'été dans les fermes et l'hiver dans les chapelleries. Quand ils ont fait la paillole, après ils l'ont plus ou moins améliorée et ils ont sorti le canotier, le chapeau de Maurice Chevalier. À Caussade, c'était devenu le chapeau dans toutes les manifestations, les hommes et les femmes avaient le canotier. Canotier, borsalino, chapeau melon, à chaque fois Didier est obligé de préparer deux blocs de bois. Il y a la calotte qui correspond à la calotte crânienne, on comprend bien. Et donc ça c'est là où vient l'entrée de tête, parce que c'est ce qui vient emboîter. Et le bord, alors le bord peut être de différentes choses. C'est pas la calotte pour ce bord-là, mais bon, on comprend le principe. Si je voulais utiliser ça, pourquoi pas? Mais il faut que je diminue la hauteur, parce que là, la calotte, elle est trop importante par rapport au bord. Ça serait pas très très beau. À côté des grands classiques, certaines commandes sortent un peu de l'ordinaire. J'ai reçu il y a quelques jours une commande d'une modiste chez des clients un peu partout, à Madrid, en Espagne, et je dois lui refaire cette casquette-là. Didier utilise du tilleul, un bois résistant aux assauts des chapeliers, à l'humidité et à la chaleur. Celui-ci a poussé grâce au climat du Jura. Après de longues années de séchage, il peut enfin être travaillé. Il n'y a pas de guide, le seul guide c'est la main et l'œil. C'est-à-dire que c'est pas voilà, la machine. Donc je pousse et je tourne en même temps et je regarde. Avec ses gouges et ses rabots, Didier façonne la forme petit à petit. Il faut plusieurs heures, voire quelques jours, pour passer du bloc de bois à la réplique parfaite du chapeau. Une fois terminé, une forme en bois coûte entre 80 et 500 euros. Dans l'industrie du chapeau, elles ont petit à petit été remplacées par des formes en aluminium. Nous voici dans l'une des dernières fabriques de Caussade. Grâce aux formes en métal, plus résistantes et plus faciles à travailler, les chapeliers ont pu augmenter la cadence. Ça dépend voilà, des chapeaux, mais ça, on va en faire une vingtaine à l'heure. Une forme en bois, ça va être deux par jour, quoi. Voilà. Puisque la forme en bois, ben, elle ne chauffe pas. Donc il faut la chauffer avec des fers à vapeur ou des fers. On va dire, ça, c'est le prêt-à-porter. Et le travail sur le forme en bois, c'est la haute couture, quoi. Voilà. Sur forme en bois, on fait essentiellement des pièces uniques. De la forme au chapeau, difficile de savoir où se cache la véritable œuvre d'art. En regardant de près certaines pièces, une chose est sûre, la forme, c'est bien plus qu'un simple bout de bois. Je considère qu'une forme à chapeau est littéralement une sculpture. Si on prend celle-ci, par exemple, cette forme-là, là on a un creux comme ça, là aussi, ça relève. Et la ligne, le tour, comme ça, la ligne, ça détermine la vie du chapeau, c'est ce qui fait le chic ou pas. De beaux chapeaux. Changement de décor et de climat maintenant. Météo à la carte vous emmène en Martinique. Visitez le village de Tartane. Plage de sable fin, végétation luxuriante, petits ports typiques et paysages uniques. Là-bas, c'est un condensé de soleil et de chaleur qui vous attend. Bref, un petit coin de paradis qui nous fait tous rêver. Il est de ces petits villages où l'on aimerait pouvoir poser ses valises pour de bon. Des plages de rêve pour lézarder au soleil, une réserve naturelle pour les amoureux de la nature, les ruines d'une ancienne sucrerie pour les férus d'histoire, ou encore les vagues pour les plus sportifs. Ajoutez à cela un climat tropical garantissant une moyenne de 28 degrés toute l'année et vous y êtes. Bienvenue au paradis en Martinique, dans le petit village de Tartane. C'est notre petit coco à nous, c'est le petit village des pêcheurs. Que tout le monde adore. Même les touristes, quand ils arrivent ici, ils sont mordus par Tartane. Tartane, c'est la presqu'île de la Caravelle. C'est l'un des plus jolis de l'île. L'île de la Martinique. Madinina, l'île aux fleurs, Tartane, c'est le paradis.
Difficile en effet de ne pas tomber sous le charme de cet authentique village de pêcheurs. Comme tous les matins, c'est autour du marché aux poissons que la vie s'anime, rythmée par le va-et-vient des petites embarcations colorées. Ici, le métier de marin-pêcheur se transmet souvent de génération en génération. C'est le cas de Gilbert, qui exerce ce métier depuis plus de 30 ans. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Je fais ce métier puisque quand on est sous l'eau, en Ouest, c'est le plaisir. À partir du moment qu'on l'aime, c'est comme dans un paradis. Alors, de ce fait, ça m'arrive quand je suis sous l'eau, ça me permet de m'évader et de vider un peu l'esprit. La pression qu'on a à terre n'est pas pareille quand on est sous l'eau. La chance que j'ai, je peux dire, c'est de faire un métier que j'aime et qui me permet de vivre correctement. Parmi les techniques de pêche utilisées en Martinique, il y a la pêche à la nasse. Des casiers aux formes variées formés d'une armure en bois et d'un treillis en grillage métallique. Un piège redoutable pour les poissons qui s'y aventurent. Dans la zone que j'y vais, ce sera à 30 km de la côte. Il y aura des vivanos, il y aura des mérous, ce qu'on appelle le poisson couronné, des marignans et de la langouste aussi. Fils de marin-pêcheur, Guy est particulièrement attaché à sa région. J'ai déjà voyagé dans ma petite vie, mais l'endroit que je me sens le mieux, c'est Tartane. C'est ça, c'est mon île. Qui sait qui n'a pas envie de vivre à 29 degrés, à l'ombre. De l'autre côté de la rue, à quelques mètres du marché aux poissons, voici la maison de Rose-Hélène. Ça va ? Une adresse incontournable pour qui veut découvrir ou redécouvrir l'une des spécialités culinaires de la Martinique, le poulet boucané. Un poulet boucané, pour que ça soit bon, il faut le mettre à macérer la veille. J'ai mes épices, j'ai un peu là, bois d'aine, poivre, girofle, sel, du vinaigre ou du citron. On laisse ça macérer et le lendemain, c'est ça, dans le four. Du vieux français boucan, désignant une cabane en bois qui servait à fumer les poissons et les viandes, le poulet boucané est cuit à l'étouffée, s'imprégnant ainsi de la fumée dégagée par la canne à sucre et le charbon de bois. La canne. Une technique que Rose-Hélène maîtrise comme personne. Moi, j'ai commencé près de la rue là et les gens s'arrêtaient quand ils voyaient la fumée et tout, et tout, et tout. Et c'est parti comme ça. J'ai commencé doucement. Je faisais 60, 100 poulets par jour. Il n'y avait jamais assez. Et puis, ça continue jusqu'à maintenant. Rose-Hélène n'osera pas l'avouer, mais ses poulets figurent dans tous les guides touristiques comme les meilleurs de l'île. Et lorsqu'on lui demande ce qui les rend si uniques, voilà ce qu'elle répond. J'aimais de l'amour. Alors, quand les gens viennent acheter, ils viennent en masse, je dirais, chercher du poulet fait avec amour. Autre richesse de la presqu'île de la Caravelle, sa réserve naturelle. 388 hectares d'espaces protégés. Une destination de prédilection pour tous les amoureux de la nature. Thomas en est le responsable depuis 5 ans. Il arpente chaque jour ses sentiers. Travailler sur la presqu'île de la Caravelle, c'est vraiment merveilleux. C'est un peu des fois compliqué. Mais c'est tous les jours un dépaysement, c'est tous les jours une redécouverte ou une découverte de certaines choses, de paysages, mais aussi d'espèces qu'on peut avoir sur le site. Et si Thomas ne se lasse pas de ces paysages, c'est aussi parce qu'ils évoluent sans cesse au fil des saisons. Contrairement à la forêt tropicale, la forêt de la Caravelle est une forêt sèche, avec une faible pluviométrie et des vents importants. En Martinique, c'est toute l'année que l'on pratique le surf. Moi, le surf, c'est toute ma vie, ouais. C'est toute mon enfance. Dans ma famille, il n'y avait que des pêcheurs. Alors, on était tout le temps au contact de la mer et le surf, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la motivation, ça me donne du plaisir. Avec plus de 20 ans de pratique, Pascal est un professeur de surf émérite. Lance Bonneville, rebaptisé la plage des surfeurs, c'est un peu son QG et pour cause. Déjà, l'eau, elle est chaude. On est à Martinique, l'eau, elle est chaude. On peut accéder facilement à l'eau. On peut surfer tantôt dans la mousse et surfer dans les vraies vagues. C'est une plage qui est vraiment faite pour les débutants. Ouais. Autres amoureux de l'océan, voici JB et Caroline, installés en Martinique depuis plus de 15 ans. Tartane a été pour eux un véritable coup de cœur. Pour les enfants, c'est absolument génial.
Il y a la mer, même pas 5 minutes de voiture, il y a plusieurs plages, il y a la randonnée de la caravelle, on peut aller se balader. On nous dit que Tartan, c'est comme on dit partout, le pays des revenants. Tartan, quand tu viens à Tartan, tu reviens toujours. Quand vous arrivez comme ça et qu'on vous donne cet accueil, cette chaleur humaine qui se trouve à Tartan, ça ne vous donne pas l'envie de repartir. Dans l'état actuel des choses, on ne se voit pas rentrer, parce que c'est vrai qu'on est vraiment super bien ici et la vie est douce, comme on dit. Papa! Voilà, le paradis des petits et des grands aussi. Et avant notre journal du temps, on vous propose une recette gorgée de soleil qui va égayer votre journée du coup. Des côtelettes d'agneau accompagnées de bons légumes de saison, des produits de qualité au service de la simplicité qui pourraient bien se retrouver sur votre table de Pâques. Ah, voilà. À Saint-Jean-de-Luz, dans le restaurant du chef Cédric Marinello, le printemps sonne le début de la saison de l'agneau. Les côtelettes d'agneau, on va commencer par les assaisonner. Ça va leur faire cracher un peu le sang. Donc là, sur la plancha, bien chaude. Ce qui est important, c'est que l'agneau il soit bien saisi, quoi. Donc je vais venir juste l'écraser, juste pour que ça caramélise bien. Par personne, en fait, on va mettre environ 3 côtelettes quand on est un mangeur moyen et quand on a mangé une entrée avant, quoi. Sinon, si vous voulez manger que ça, que c'est en plat, vous mettez 6 côtelettes, là, vous êtes bien. C'est pas une viande grasse. Comme on voit, en fait, elle est juste un petit peu infiltrée. Elle n'a pas non plus 3 tonnes de viande dedans, quoi. Il y a plus à rogner sur un os qu'à manger au centre, quoi. Ce que je veux, c'est qu'il y ait toujours un peu de croquant, un peu de fraîcheur. C'est pour ça que j'associe souvent la côtelette d'agneau du Pays Basque assez grillée avec un légume cru et un légume cuit. Aujourd'hui, le chef basque met à profit ses 20 ans d'expérience pour nous livrer les secrets de sa recette, côtelettes d'agneau et légumes du marché. C'est aussi pour lui l'occasion de mettre en avant son engagement dans la cuisine. Nous, avant, à l'époque, en cuisine, on voulait des tomates toute l'année et toutes pareilles. On voulait se faciliter au maximum la vie, que ça soit le même coup de couteau sur le même produit tout le temps, quoi. Petit à petit, on a redécouvert des choses qu'on avait oubliées, quoi. On nous a trop martelé avec de la saloperie. Et maintenant, ben, on a envie de manger bien. Et pas que bio. Surtout bien, quoi. Et pour bien manger, lorsqu'on habite en ville, pas de secret pour Cédric, il faut aller au marché rencontrer les producteurs locaux. À peine arrivé au hall de Saint-Jean-de-Luz, notre chef jette son dévolu sur une curiosité. Un trésor du Nord, mais celui-ci est pourtant bien cultivé au Pays Basque. Ils sont obligés de les exporter dans le Nord, même. Tellement elles sont bonnes. Moi, j'aime bien quand elles sont un peu serrées au cœur, comme ça. Parce que comme je vais les cuire, il faut qu'elles soient serrées au maximum pour garder leur jus et qu'elles cuisent avec leur propre jus. Malgré son rythme de travail soutenu, le chef vient au moins 2 fois par semaine sur le marché. J'ai lié des amitiés avec les producteurs, avec le boucher, avec le poissonnier. Vu que je fais avec la saison, je prends ce qu'ils me proposent, quoi. Et cette ambiance, c'est introuvable ailleurs, quoi. Hey, bonjour, Cédric. Ça va bien, la forme? Oui. Je vais te prendre chou de Bruxelles, s'il te plaît. Du chou de Bruxelles au Pays Basque. Encore un légume loin de son terroir d'origine. Après, chaque année, ça ne réussit pas, quoi. Il y a des années, ça marche bien. L'an dernier, ça n'a pas du tout marché. Fait que ça soit du Nord ou pas du Nord, le principal, c'est que ça ait poussé ici, quoi. C'est eux qui ont eu l'idée, mais nous, on le pérennise et on le fait mieux. Avant de rentrer, le chef s'arrête prendre quelques carottes. Bonjour monsieur. Mais ce matin, ils sont nombreux à avoir eu la même idée, cuisiner les légumes du marché. On n'est pas plus pressé que les autres, hein, au final. Un petit peu, mais bon. On a qu'à se lever plus tôt si on n'est pas content, quoi. Et un 10. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Adieu. Salut Cédric. Ça va? Attends. Je vais te prendre de la carotte. Ouais. Ce qu'elles ont, c'est leur carotte, c'est qu'elles souffrent un peu, quoi. Donc elles sont meilleures, elles sont plus concentrées, quoi. Ben, il est tard tous les matins. Tous les matins, il est... Plus sérieusement, ces carottes ont souffert car elles sont cultivées sur les coteaux proches de l'océan et de ses embruns salés. De retour en cuisine, Cédric a fait les comptes. Pour tous les ingrédients glanés sur le marché, il en a eu pour 6 euros par personne. On va juste la peler au couteau comme ça, sans utiliser l'économe. Ça évite d'enlever trop de matière sur la carotte, quoi. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Là, il n'y a rien qui est rentré, donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser en entier et qui est valorisé au total, quoi. Forcément, on le paiera plus cher que des carottes en supermarché.
mais en poids, on va retirer de moins. Au marché, on dit que c'est cher, mais au final, c'est pas cher le marché. Le légume, il est mieux, il est plus serré, tout est mieux dans le marché. Tout est mieux dans les produits, quoi. Cédric émince finement les carottes. Le citron pour assaisonner la carotte. Ça va être juste une carotte, citron et poivre. Là, je mets la main juste pour éviter qu'il y ait les pépins dedans. On peut faire ça dans une petite passoire aussi. Un peu de zeste et de poivre, et le chef passe au chou de Bruxelles. Il enlève les premières feuilles. Ce que je veux, c'est pas avoir de feuilles marquées, trop marquées. C'est pas joli, mais en plus, forcément, ça va pas être bon parce qu'elle a été un peu attaquée, elle va être un peu trop mûre, entre guillemets. En cuisson, ça, on peut le laisser, quoi. En cru, c'est moins bien. Donc le but, c'est de tailler fin parce que si vous laissez des gros morceaux, faut manger des gros morceaux de chou, quoi. Plus il est fin, plus il sera joli aussi et plus il va prendre l'assaisonnement. Là, maintenant, je sépare un peu toutes les feuilles pour que, justement, quand je vais l'assaisonner avec le vinaigre, avec l'huile et tout ça, tout rentre dans toutes les feuilles. Quelques noisettes, vinaigre, huile de tournesol, piment d'Espelette, sel, poivre et le chef ajoute de l'oignon nouveau, les premiers de la saison. La salade de chou de Bruxelles terminée, il s'attaque ensuite à l'endive. Pareil que le chou de Bruxelles, on enlève les premières feuilles. Il coupe l'endive en deux, huile et assaisonne seulement le plat. Et là, je la pose dans ce sens-là, comme ça, l'assaisonnement que j'ai mis dedans à la cuisson, il va remonter dans l'endive. Hop, et là, ça part au four. En moyenne, à peu près 30-35 minutes à 180 degrés. Et surtout à couvert. Une fois cuite, il ne reste plus qu'à snacker l'endive. Et ça va être assez rapide. C'est juste pour donner un côté grillé à la face, quoi, en fait. C'est tout. Endive cuite, carottes citronnées et salade de chou de Bruxelles accompagneront à merveille les côtelettes d'agneau basque. Enfin, petit plus du chef, râpé de la tomme de brebis sur l'assiette. On n'est que du produit de marché, que du local. Oui, c'est plus facile de faire avec un chou de Bruxelles tout propre, tout nettoyé, prêt à l'emploi. Et les carottes, on peut les acheter déjà taillées si on veut aussi, quoi. Mais tout ça, ça enlève tout le goût et tout le plaisir que moi je prends à faire ça, quoi. Et il est 13h55. Découvrons le temps de cette première semaine d'avril. Est-ce que le printemps sera de la partie? Les réponses, c'est tout de suite dans notre journal du temps. Et après ce week-end un peu maussade, frais. Quel programme pour cette semaine? Le week-end a surtout été frais. Il y a eu pas mal de vent, mais c'est vrai que c'était une météo maussade sur bon nombre de régions. En tout cas, pas très printanière. Elle ne le sera pas forcément ce début de semaine côté température, même si ça remonte un tout petit peu. En revanche, c'est vrai que les éclaircies reviennent. Elles sont même larges sur les régions de la moitié nord. Et c'est un début de semaine avec un temps sec assez souvent ensoleillé qui se profile, la situation vue du satellite. Vous allez voir que ces éclaircies reviennent actuellement sur bon nombre de régions de la moitié nord. Au sud, il y a pas mal de nuages bas. Ça traîne encore en allant des Alpes jusque vers les Pyrénées, notamment sur la partie est des Pyrénées, avec des chutes de neige qui vont encore se poursuivre, notamment sur les Pyrénées ariégeoises, avec là des quantités de neige qui resteront encore assez importantes, avec encore aujourd'hui 15 à 20 cm supplémentaires sur ce secteur. Perturbation qui est actuellement sur l'ouest, qui a beaucoup de mal à entrer, parce que le champ de pression, le baromètre est assez élevé, il est en hausse, en tout cas sur une bonne partie du territoire. Situation pour cet après-midi, on va retrouver ce partage avec une ambiance plutôt nuageuse en allant du relief des Alpes jusque vers la Nouvelle-Aquitaine et le relief des Pyrénées. La neige, elle, va tomber sur certains secteurs au cours de ce week-end. Il est déjà tombé parfois à haute altitude jusqu'à 60 cm de neige, assez fréquemment entre 20 et 30. Une fin de saison donc extrêmement bien enneigée. Encore quelques flocons à partir de 1300-1400 mètres, 1200 en général sur le massif des Alpes, et puis le risque d'avalanche sur les Pyrénées qui sera assez important avec le vent qui continuera de souffler, vent qui va assécher la masse d'air autour du golfe du Lion avec du soleil, et puis le soleil largement présent pour les régions de la moitié nord avec les vents de secteur est-nord-est qui vont balayer principalement les côtes de la Manche. On va prendre connaissance du temps qu'il fait chez vous et nous partons vers la capitale, à Paris. C'est Maxime qui a pris cette photo avec au premier plan Notre-Dame-de-Lorette. Donc nous sommes dans le 9e arrondissement si je ne me trompe pas. Une température pour cet après-midi. Température, je vous la donne au parc Montsouris, on sera aux alentours des 13 degrés. Ce sera à peu près le cas sur les autres arrondissements. C'est un petit peu plus doux ou moins frais qu'hier. Hier, au meilleur de la journée, Paris Intramuros, on n'a pas dépassé officiellement 9,1, précisément. Ouais, et ça se sentait. On enchaîne avec une vidéo de Monique. Monique est dans les Côtes d'Armor aujourd'hui. Bonjour Monique, quel temps fait-il chez vous? Bonjour à tous, bienvenue sur la côte de Penthièvre, pas très loin du Cap Fréhel. Il faisait très frais ce matin, 4 degrés avec un vent soutenu. Mais maintenant, le soleil est sorti, il commence à faire bon en fin de matinée. Je vous souhaite un bel après-midi. À bientôt.
Merci Monique. Monique a gardé la même tenue que dans ces montagnes d'Auvergne. Pour te faire un peu frais. Voilà. Prête pour faire non pas du ski nautique, du ski tout court. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a le vent qui est là. Pour cet après-midi, Monique, 12-13 degrés à peu près. Pas plus, ce seront des températures, vous voyez, généralement comprises entre 10 et 14 degrés en allant de la presqu'île du Cotentin jusqu'à la pointe Finistère, jusqu'à une quinzaine de degrés vers la Charente-Maritime, la Gironde. Minimal de 10 degrés aussi pour le plateau lorrain, la plaine d'Alsace, le Limousin, puis on atteindra les 20 degrés, mais ce sera du côté de Béziers, de Montpellier pour cet après-midi avec des valeurs beaucoup plus clémentes sur les communes bordant le bassin méditerranéen. La couleur du ciel pour demain matin, regardez ce qui est réservé au réveil avec encore quelques nuages qui vont traîner principalement sur le sud des Alpes, une bonne partie de la Provence jusque vers la Corse. Ils seront ces nuages porteurs de quelques ondées avec un petit peu de vent jusqu'à 60 km à l'heure. Puis ailleurs, eh bien, ce sera un temps sec, une météo bien dégagée sur l'ensemble du territoire. Sur le nord-est là, quelques cumulus sans doute un tout petit peu plus joufflus. Retenez bien cette carte, le ciel sera clair demain matin. Attendez-vous à une bonne baisse des températures. Dans le courant de l'après-midi, voici l'évolution avec ces quelques nuages de beau temps qui circuleront sur le quart nord-est du pays. Toujours cette nébulosité qui traînera sur l'extrême sud-est avec localement quelques ondées. Sinon, partout ailleurs, eh bien, c'est le soleil qui l'emportera avec un temps extrêmement sec et des conditions anticycloniques. Une belle météo printanière sur une grande partie du territoire. On en vient aux températures pour demain matin avec, bien entendu, avec un ciel clair, les gelées qui seront de retour. Elles seront surtout prononcées, vous le voyez, en altitude dans le Cantal. Cela dit, sur la plaine champenoise, prévoyez moins 3 degrés du côté des Pernets ou encore de Reims, moins 2 à Nancy ainsi qu'à Metz, des gelées jusque vers l'Orléanais ou encore sur les régions du quart nord-ouest vers la Picardie, moins 1 au thermomètre. 10 degrés sous les nuages, ce sera la température à Nice. Et puis dans le courant de l'après-midi de demain, au programme, des températures qui, elles, vont s'échelonner entre 11 et 16 degrés. Ça remonte tout doucement pour les régions de la moitié nord. Et puis au sud, sont les températures à peu près équivalentes, jusqu'à 17 degrés tout de même le long de la Garonne. 14 à 16 sur la Corse et jusqu'à 20 degrés attendus sur les Pyrénées-Orientales. La suite de la semaine est le temps pour la journée de mercredi avec le soleil au rendez-vous. Toujours une frange nuageuse, sans doute un peu plus chargée pour les Alpes frontalières jusque vers le golfe de Gênes et la Corse. Ailleurs, eh bien, ce sera un temps sec, largement ensoleillé, tout juste un léger voile de nuageux sur les régions de l'ouest. Sans doute un tout petit peu plus dense sur une partie de la Bretagne ou encore de la basse Normandie. Les températures au petit matin dégelées localement pour les régions de la moitié nord et puis en après-midi. 13 degrés en moyenne au nord et 15 degrés pour les régions de la moitié sud. Pour le reste de la semaine, ça donne quoi? Le temps pour la journée de jeudi avec l'infiltration de nuages, cette fois-ci avec un changement de régime. Les vents repasseront de secteur ouest avec l'entrée de ces nuages, localement quelques plus faibles. L'humidité à l'avant en allant des frontières, de la frontière avec la Belgique jusque vers la côte charentaise. Et puis sur le reste du territoire, nuages et belles, très belles éclaircies au programme. Tout juste quelques ondées à prévoir très localement sur le sud du massif des Alpes, donc principalement le Mercontour ou encore le relief Corse. Il y a peu de changements côté température en journée, 12 au nord, 16 au sud. L'approche du week-end, voici l'évolution pour la journée de vendredi. Le soleil rendez-vous sur les régions de l'ouest et puis un dégradé nuageux, vous le constatez, avec des nuages porteurs de quelques ondées, principalement sur une petite moitié est du pays, entre les deux, cette zone de transition. Les températures seront stationnaires avec une moyenne de 12 degrés au nord et 16 degrés pour les régions de la moitié sud. Les prévisions du week-end, c'est maintenant. Le temps pour la journée de samedi, on va retrouver une météo bien ensoleillé en allant des côtes de la Manche jusque vers la Nouvelle-Aquitaine et les côtes méditerranéennes. Toujours une petite menace d'ondée sur le relief Corse. Et puis sur les régions de l'Est, des nuages qui sont un peu plus encombrants avec localement quelques averses qui pourraient se produire très ponctuellement. Les températures, peu d'évolution, toujours un peu fraîche en matinée avec une moyenne de 3 degrés pour les régions au nord de la Loire, 5 au sud, 13-16 dans le courant de la journée. Et puis le temps pour la journée de dimanche avec une météo qui devrait se charger peu à peu. Les ondées, elles devraient menacer en allant du nord-ouest jusqu'au massif des Alpes avec là des nuages porteurs d'ondées. Les éclaircies resteront brèves ailleurs, vous le voyez, mais ce sera un temps plutôt sec mais une météo plus grise que la veille sur les régions de l'ouest avec toujours les vents qui vont souffler mais cette fois-ci de secteur est et les températures peu d'évolution. 14 au nord, 17 degrés au sud. La semaine prochaine, regardez le temps prévu pour la journée de lundi avec le soleil qui devrait revenir sur une très large moitié ouest du territoire, très localement une petite ondée puis toujours une frange un peu plus nuageuse principalement près de la frontière avec l'Allemagne ainsi que la Suisse et l'Italie avec là un ciel assez chargé, le thermomètre stationnaire, vous le voyez, 14-17 degrés. Et la tendance à 8 et 9 jours.
Alors, tout ça reste encore à confirmer, mais pour la journée de mardi, on devrait retrouver un temps sec, vous le voyez, sur une bonne partie du territoire. Toujours un tout petit peu plus d'instabilité sur les régions du quart sud-est, avec quelques ondées qui pourraient menacer sur le sud du massif alpin, jusque vers le littoral de la Grande Bleue. La Corse, elle, quelques ondées au programme. Température, elles augmenteront progressivement, 15-18 degrés. Prévision à 9 jours, avec le soleil présent sur toute la moitié nord, sur la moitié est aussi, sans doute en allant des rives de la Loire jusqu'au relief des Pyrénées, quelques cumulus supplémentaires. Une petite ondée pour le sud des Alpes et les températures stables, 14-17 degrés. Voici l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 avril. On va fêter les Richards et on gagne 4 minutes de durée d'ensoleillement. On embrasse donc les Richards et puis on vous attend demain en direct dès 12h55. Passez une très bonne journée sur France 3. À demain.